La Pologne prête à accueillir davantage de migrants. Le pays, qui a tant de 1000 réfugiés, dit vouloir aller au-delà sans donner de chiffres pour l'instant. Pour le Premier ministre polonais Ewa Kopacz, l'effort consenti pourra se réaliser à certaines conditions. Il en va de notre intérêt d'agir ensemble et de manière efficace. Aussi, il faut rester décent. Le président de la Commission européenne nous a rappelé dans son allocution que nous, Polonais, avons tous aussi été un jour des réfugiés. Pourtant, Varsovie a refusé les quotas obligatoires proposés par Jean-Claude Juncker. L'Union demande à la Pologne d'accueillir 9300 demandeurs d'asile, pour l'instant sans succès. Prenons en compte le fait que la majorité de ceux qui aident les migrants à rejoindre les frontières européennes sont des criminels qui appartiennent à des organisations spécialisées dans le trafic d'êtres humains. Les centres qui hébergent les réfugiés attendaient encore de nouveaux arrivants ce mercredi. Pour l'instant, la Pologne accueille essentiellement des demandeurs d'asile venus d'Ukraine, de Tchétchénie ou encore de Géorgie. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова